invité. Tous les jours, juste avant 14h, nous découvrons la solution du jour. Et aujourd'hui, elle s'adresse aux jeunes auditeurs atteints d'asthme. Raphaël. Oui, faciliter la vie des enfants asthmatiques, mais aussi des parents. Il y a une solution, Elisabeth, il s'appelle Joe. Joe, c'est un robot qui accompagne les jeunes malades au quotidien. Tout à fait, Joe, c'est un robot ami. Sa présence est précieuse, puisqu'elle aide les enfants asthmatiques. Il faut dire qu'il y a 10% d'enfants qui souffrent d'asthme en France. Et ce robot donc les aide à mieux prendre leur traitement afin qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, de plus en plus indépendants, parce que c'est souvent un traitement qui doit être suivi à la lettre. Ainsi, de manière très ludique, eh bien Joe facilite cette prise de médicaments. Joe récompense les enfants par le jeu au moment où ils prennent leurs médicaments. Et évidemment, tout cela allège la vie des parents. Bonjour Alexandra de la Fontaine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous Merci êtes la PDG de l'entreprise Ludocare qui a créé Joe. Tout à fait. À mi-chemin entre donc le jeu et l'outil thérapeutique. Comment est né Joe ? Alors c'est tout à fait ça. L'idée c'était vraiment de venir agir sur ce quotidien difficile et compliqué que représente la prise des traitements de fond. La maladie chronique c'est quelque chose dont on ne guérit pas, c'est quelque chose qui évolue dans le temps mais qui se contrôle grâce à ces traitements de fond. Or ils sont lourds et contraignants. L'idée c'était de se dire dans l'asthme il y a seulement 13% des gens qui prennent bien leur traitement, ça s'est remonté dans les études médicales, avec des conséquences relativement graves, tant sur la santé du patient que sur l'entourage et le stress que ça peut générer. Donc, et l'idée, ça a été de se dire un petit peu finalement comme le brossage de dents que vous avez évoqué un peu plus tôt. Si on arrive à donner les bons gestes, à les bonnes habitudes dès la plus tendre enfance, alors l'enfant sera observant en étant petit et donc arrivera à bien gérer sa maladie et son traitement en étant grand. Alors l'idée, c'est quoi finalement? C'est juste de venir injecter un peu de ludique, un peu d'amusement et lui permettre de tout faire tout seul. Alors, quelle est la part de ludique et quelle est la part de traitement? Alors, comment ça marche? Concrètement, comment ça marche? Les parents paramètrent l'ensemble des ordonnances dans une application et ensuite, à l'heure dite, en fonction des horaires, pour s'adapter au plus proche de la vie de l'enfant, le robot se met à sonner. Et donc, le petit compagnon va guider l'enfant avec des animations sur l'ensemble des médicaments qu'il doit prendre. Donc même pendant la prise de médicaments, on essaie d'apporter un peu de ludique. Alors l'application c'est Joe aussi ? L'application c'est une application Ludocare sur le téléphone. Qui est en lien avec vous. Exactement, sur le téléphone des parents que nous développons nous-mêmes. Il est là, ce petit robot. Si vous nous suivez sur europe1.fr, vous pouvez le découvrir. Alors donc comment a réagi le jeune public ? Ça a déjà été testé. Exactement. J'ai vu pas mal de vidéos. Comment ils réagissent ? Le traitement est mieux pris ? Alors, mieux accepté. Réalisé, oui, tout à fait. Nous avons réalisé des tests pendant 4 semaines auprès de 15 familles qui nous ont fait des retours. Et en effet, ce qui nous est remonté, c'est tout d'abord que c'est moins contraignant, c'est-à-dire que les parents se sentent soulagés, parce que le robot n'oublie jamais. Une fois que vous avez paramétré à 7h32, ça sonne tous les jours à 7h32 si vous le souhaitez. L'enfant, du coup, attend ce moment-là, donc il attend que son compagnon l'appelle et vient interagir pour prendre son traitement. Donc au niveau quantitatif, il y a une réelle amélioration, mais surtout au niveau qualitatif, c'est-à-dire qu'ils apprennent l'ensemble des bons gestes à faire. Il faut savoir que les dispositifs sont compliqués, ils ne sont pas si simples à manipuler. Et donc dans ce contexte-là, le robot aide aussi l'enfant à focaliser son attention et à maximiser sa respiration. Mathieu, notre coach. Alors évidemment, c'est formidable et on ne peut que féliciter cette initiative et qui doit vraiment aider, je pense, des familles et des enfants. Moi, j'ai un tout petit sujet, mais qui est vraiment une question. Évidemment, on est dans le traitement de données personnelles, de données sensibles de santé, tout notamment de mineurs. Oui. On est donc, je pense, dans ce qu'on appelle une analyse d'impact au sens du RGPD. Comment vous avez traité ça? Alors, comment vous sécurisez ces données très sensibles médicales des enfants? Tout à fait. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a une réglementation extrêmement exigeante et protectrice. Extrêmement exigeante, mais ça va même au-delà du RGPD, puisque comme vous l'avez très bien mentionné, c'est de la donnée de santé. Donc aujourd'hui, notre solution, elle est hébergée au sein de serveurs qui sont eux-mêmes agréés données de santé. Donc toute la solution est dans des serveurs extrêmement protégés. C'est aussi de notre ressort de protéger au niveau de l'infrastructure informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain quelqu'un volait un petit compagnon, toutes les données
médicales qui sont à l'intérieur du petit compagnon sont anonymisées. On ne peut rien en faire. On le trouve où, Joe, pour alors les parents qui nous écoutent en ce moment? Aujourd'hui, Joe est en pré-vente sur la campagne Ulule. Donc vous nous trouvez sur Ulule de Caire, voilà. Et puis, le lancement officiel est prévu au mois de septembre. Donc il pourra être commandé sur notre site internet directement. monamijoe.com pour les enfants asthmatiques et monamileo.com pour les enfants atteints de mucoviscidose. Merci beaucoup Alexandra Delafontaine.